Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, nous sommes en février aujourd'hui, le jour où je fais cette vidéo, nous sommes le 1er février. Et nous entrons donc dans un nouveau mois, dans une nouvelle vibration. Voilà qui est intéressant. Alors, cette vibration-ci, aujourd'hui, donc ce mois de février, ça va être la vibration de la roue de la fortune. C'est une vibration de mouvement, de changement, d'évolution possible. Tout peut se passer ici, peut-être. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette année-ci, au niveau universel, hein, je parle ici de l'universel. Donc c'est pour tout le monde, ça ne s'adresse pas à des cas spécifiques. C'est au niveau universel, hein, je le dis bien. Ce n'est pas votre moi personnel. Le moi personnel se calcule d'une autre façon. Ici, c'est l'année 2024 qui représente cette année universelle, donc une année 8, hein, 2 plus 2 plus 4, ça fait bien 8. Donc, nous sommes dans l'année de la justice. Cette justice, ici, elle nous invite à nous regarder droit dans les yeux, à être juste, juste envers nous-mêmes, c'est-à-dire d'oser adopter cette justesse, de regarder qui nous sommes en réalité, pour pouvoir enlever, ôter nos masques, nos jeux de rôle et aller vers cette vérité que nous sommes, que nous pouvons incarner ou pas, hein, chacun prend sa responsabilité. Et cette incarnation, qu'est-ce que c'est? C'est de devenir le souverain de sa vie. Ce petit sphinx ici représente votre souveraineté. Votre souveraineté en tant qu'être divin, en tant qu'être spirituel, en tant que je suis. Vous voyez qu'il est d'une couleur bleu ciel. Il représente cette spiritualité. La couleur pour lieu ciel dans le tarot de Marseille, bleu clair, représente toute votre part spirituelle. Vous voyez qu'il est entièrement bleu. Donc, vos animaux ici, toute cette animalité, vos animaux intérieurs, nos parts animales se transforment et deviennent et s'accordent avec la spiritualité. Il s'agit ici de ne pas éliminer tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'ego, de la personnalité, de nos jeux de rôle, par exemple, juste de les accorder. Voilà. Mais tout fonctionne ensemble ici. Mais le sphinx est souverain. Et vous voyez que tout ce qui peut faire tourner cette roue, il y a deux possibilités. Soit ce sont vos émotions, soit ce sont vos animaux intérieurs qui partent dans tous les sens, soit c'est vous en ayant pris ce choix, cette responsabilité, de devenir ce souverain et de tourner la manivelle vous-même, de devenir le souverain de votre vie. OK? Ou sinon, la roue part dans tous les sens. Ça, c'est le mois de février. C'est ce mois-ci. Nous venons d'un mois de janvier qui était cet ermite, hein, 8 plus 1, ça fait bien 9. Ici, nous sommes au 10. Durant ce mois de janvier, vous avez peut-être constaté, il y a de grandes chances, que vous n'aviez pas forcément envie de faire quelque chose de précis. Vous étiez en réflexion. Il était une sorte de bilan. C'est une forme de crise, l'ermite, où on fait le bilan de ce qui s'est passé, on ne sait pas trop où on va, mais on est sage, on prend cette sagesse de regarder les choses convenablement et de ne pas faire n'importe quoi. Donc on peut se sentir un peu bloqué dans cet ermite parce qu'on se retire un petit peu du monde, on devient un petit peu casanier, on a besoin de cette solitude, de ce calme justement pour parce que après. Si on accepte de faire ce bilan et d'avoir cette sagesse et de réagir avec sagesse par rapport aux événements que l'on vit que vous avez pu vivre devant ce mois de janvier, ben vous allez passer à cette roue de la fortune, au 10. Ou sinon, ce qui risque de se passer, c'est, puisque le 10, si on le réduit, c'est le battleur que je n'ai pas sorti d'ailleurs, que je vais vous sortir tout de suite. Le voilà. C'est le 1. Ici, donc c'est le 10 ou le 1, mais le 10, on a une certaine maturité, on a une belle forme de maturité même, et là, on redevient un enfant, un jeune, qui sait plus aller, qui sait plus quoi faire, il n'est pas souverain encore, lui. Il débute. Donc, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous, pour nous tous.
soit un nouveau projet que vous allez mettre en place avec la maturité, soit vous ne savez pas ce que vous allez en faire, ni comment vous allez en faire, ce que vous allez en faire, voilà, parce que regardez, il y a un pied qui part à gauche, un pied qui part à droite, donc c'est une possibilité. Vous avez tous les outils sur la table ici, mais qu'est-ce que j'en fais? J'en sais rien, je suis encore trop jeune. Hein, c'est vraiment l'enfant ici. Donc en général, quand on revient au 1, il y a cette possibilité de ne pas avoir, comment dire, de ne pas avoir eu cette sagesse, cette capacité de tirer de leçons des épreuves, des événements qui vous est arrivé. Et on risque de repartir dans la même, dans le même circuit, si vous voulez. Ça forme un cycle. Et on risque de recommencer encore la même chose. Quand on passe au 10, c'est vraiment autre chose, parce que vous allez peut-être revivre le même genre d'épreuve, mais vous allez pouvoir prendre cette responsabilité et vous, ces épreuves-là, les transformer, en faire quelque chose de positif, en faire quelque chose de grand. La roue de la fortune, il y a bien fortune dedans. Donc, il y a la roue tourne ici. Soit c'est une roue qui tourne dans tous les sens, soit c'est une roue qui tourne, mais que vous pouvez freiner ou accélérer selon les cas. Là, ça va trop vite. Là, ça va pas assez vite. Là, je prends mon temps. Là, je choisis. Là, je ne laisse pas mes animaux intérieurs, mes émotions, des réactions vives ou en colère, comme un animal qui fait le gros dos, par exemple, ou qui prend la fuite, comme le lapin, le lièvre, là, qui pourrait prendre la fuite, ou le singe qui pourrait, parce qu'un singe, ça peut être violent, hein, ça peut tirer les cheveux, ça peut. Ben c'est un animal, quoi. Hein, donc. Ouais, bref, et agir avec cette animalité-là et entrer dans ce jeu-là. Mais voilà, où vous devez devenir ce sphinx. C'est important de le comprendre. Donc, j'invite vraiment, durant ce mois de février, à aller vous connecter à la sagesse que vous avez acquise, puisque vous êtes passé par l'ermite. Donc, fatalement, il y a une sagesse qui s'est proposée à vous, pour vous. Donc, allez la chercher et n'oubliez pas de dire, bon, il m'arrive ça, je suis passée par la sagesse, je vais me reconnecter à cet ermite, ce vieux sage, pour pouvoir ici faire avancer la roue de la manière la plus positive possible pour moi et pour les autres. Il y a toujours cette notion des autres, il y a toujours cette notion de ne pas nuire aux autres. C'est très important. Okay? Donc, soyez bien là-dedans. Voilà par rapport à cette roue de la fortune, ce mois de février, voilà ce qui va se passer. Donc ne vous étonnez pas s'il se passe plein de choses durant ce mois de février ou si même vous avez envie de faire des choses. Vous sentez que ça y est, il y a possibilité de mettre les choses en route et souvent les événements vous donnent raison. Il va y avoir des opportunités peut-être. Vous allez entendre parler de quelque chose. Vous avez ce projet-là, vous allez entendre parler, tiens, il y a peut-être un moyen par là. Voilà. Donc laissez-vous vraiment guider par ce petit sphinx là. Soyez capable de trancher ici. Vous avez une petite épée là, vous voyez, elle est petite cette épée, mais elle est pure cette épée. C'est une épée qui est blanche. Je suppose que vous la voyez bien. Voilà. Elle est blanche cette épée, elle est pure. Donc vous tranchez avec pureté, je vais pas dire, oui, avec élégance. Il y a moyen de couper, mais sans faire mal. Elle n'est pas blessante. Les épées, elles représentent aussi tout notre intellectuel. Donc, on a la capacité ici, on est souverain, on a la capacité de le faire avec maturité, avec notre intelligence. Soyons les plus intelligents possibles. Si vous le voyez bien aussi ici, vous voyez que ses yeux sont. On voit pas très bien, évidemment, en vidéo, mais ses yeux, ils sont violets, donc ils ont vraiment la couleur de la spiritualité profonde, la couleur de notre chakra corona, le violet. Vous voyez ici qu'il a aussi cette petite forme violette au niveau du troisième œil. Donc il a vraiment toute cette sagesse. Sa couronne porte cinq étoiles, cinq petits triangles, là, il y en a cinq. Le cinq, c'est la quintessence de l'homme, hein, le nombre 5. Vous avez aussi derrière, encore un petit indice, vous avez derrière aussi ce trône
ce voile qui est toujours là parce qu'on n'a pas encore accès à tout. Il va se lever beaucoup plus tard, mais il se levera quand même à un moment donné, une forme de, en forme d'aile. Hein, c'est déjà presque un ange. C'est vraiment une autre animalité qui se transforme en ange. Il ne l'est pas encore, mais il est tout en transformation. Et nous retrouvons cette couleur violette et cette couleur rouge. Le rouge, c'est la couleur de notre action, de notre activité humaine, qui est mélangée à la couleur spirituelle profonde. Vraiment, ce violet-là, c'est vraiment la couleur spirituelle profonde. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de février. Donc, ne vous étonnez pas si il y a des choses qui se passent. Et on vient d'entendre un petit bruit. Justement, à ce moment-là, je reçois un message. Voilà, je vous souhaite un bon mois de février. J'espère pouvoir vous faire une vidéo pour le mois de mars. Et vous allez voir que les choses bougent pour moi aussi en février, puisque je déménage. Mais j'espère pouvoir vous trouver le temps de vous faire la vidéo pour quand nous arriverons au mois de mars. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à bientôt. Au revoir.